Premier tour. Non, c'est Égypte. Égypte. Je vois l'Algérie. Depuis leur premier match, ils n'ont pas un jeu qui est posé au fait. Ils ne sont pas très organisés dans le match. Donc ça fait que je les élimine au premier tour. La Mauritanie ? Pourquoi ? Parce que je crois bien qu'ils ont les joueurs qui n'évoluent pas dans les 5 grands championnats du monde. Et pour pouvoir remporter la coupe, la CAN, il faut avoir des joueurs d'expérience. Voilà, c'est pourquoi et leur équipe n'influence pas. L'équipe qui sera éliminée dès le premier tour, je pense que la Tunisie, leur style de jeu me plaît pas assez. Et puis, ils ne fournissent pas énormément d'efforts, à part les coups de pied arrêtés. Le premier tour, bon, je vois Mauritanie. Mauritanie. Ils sont bien, mais ils n'ont pas le niveau. Ouais, le Mauritanie n'ont pas le niveau. Ok, dès le premier tour, il y a la Tunisie. Tunisie, oui. Au premier tour. Ça c'est mon pronostic. Ça dépend de leur performance. Voilà, ça dépend de leur performance. Sinon, je pourrais dire le Maroc, mais on sait que le Maroc est au haut niveau actuellement. Donc, il choisit la Tunisie. Ouais. Tunisie. Non, pas le premier match, il n'est pas trop joué. Pas de qualité. Peut-être pas le deuxième match, peut-être pour trouver sinon deuxième match. Sinon, premier match, ce n'était pas trop ça. Maroc. Parce que Maroc n'est pas fort. Ils sont pas forts. Moi, je vois la Mauritanie et la Tunisie. Parce que la Mauritanie, la Burkina Faso a gagné le match passé. Bon, Tunisie a battu un match nul. Bon, tout est possible que Angola gagne Mauritanie ce soir. Parmi les équipes qui seront éliminées au premier tour, l'Algérie n'a pas encore joué son deuxième match. C'est sûr que, je ne vois pas aucune de ces équipes qui sera éliminée au premier tour. Parce que déjà, il n'y a que seulement 8 équipes éliminées sur 24. Et je pense qu'elles ont toutes les chances. Maintenant, quelle équipe sera la première? Là, ce sera difficile à dire, à part le Maroc. Ça reste à voir parce que l'Algérie et l'Égypte, vraiment, ils ne sont pas sur le point de s'incliner. Mais ils pensent bien qu'avec un peu de chance et puis un peu de la faveur divine, ils pensent que ça va se faire. Donc, l'Égypte, voilà, l'Égypte c'est, ils ont plus fait la porte de la sortie. Bon, le premier tour, je vois la Tunisie. Pourquoi? Parce que le premier match, ils ont une défaite. Bon, nous espérons aussi que le deuxième match, ils vont pouvoir gagner. Sinon, bah, moi, je vois qu'ils pourront tomber. Je pense bien que la Mauritanie peut s'éliminer parce qu'avec des équipes comme le Burkina Faso, avec l'Algérie, c'est une poule très compliquée. Donc, la Mauritanie peut s'éliminer. L'Algérie aussi. Bon, l'Algérie s'est éliminée avec la difficulté. Le match un contre face à l'Angola. Donc je pense bien qu'il puisse éliminer parce que le Burkina aussi avec les joueurs comme Bertrand Traoré. Bon, donc je pense bien qu'il puisse éliminer. Je pense que la Mauritanie et la Tunisie. Parce que la Mauritanie n'est pas vraiment en forme. On a vu son premier match et c'est pas vraiment trop ça. La Tunisie aussi a perdu son premier match et ça sera difficile pour eux de se qualifier. Mauritanie. Certes, non seulement la Mauritanie, qu'on appelle, si je m'appelle, sa deuxième, bien troisième édition. Hein. Oui, troisième. Et puis de deux, elle ne regorge pas assez de grands joueurs. Tunisie, ils sont pas en force cette année. Ils n'ont pas de fond de jeu, ils jouent comme ça. Ils sont pas organisés.